Quand ça commence avec toi, c'est grave. Laisse-moi me tourner vers Indira. Oui, pas d'un cas. Indira, bonsoir. Good afternoon, Black. Ça va bien? I'm fine, as usual. Bah, c'est la fin de semaine sur l'Afterwork Holidays. Yeah, and we are all, how can I say, very funny. Comment tu te mets avec elle? Je commence avec toi, tu te mets ensemble avec elle. I'm very sorry, you know, it's love. Ah, d'accord. Solange Choukita, bonsoir. Bonsoir, Oblak. Vous êtes en rouge, là, oui. Pour Petit Beaux-Arts. Oui, oui, bien sûr, la couleur de l'amour. Mais j'ai dit que c'est marrant. Le quartier, mon gars, chauffe, hein. Et comme ça, tu vois. Le mec, Citron, ça chauffe, hein. Donc, il faut faire gaffe, là-bas, ok? D'accord. Le capitaine. Ben, ouais, voilà. Sidonie Eba, oui. Bonsoir. Oui, donc, si tu as mis le rouge, non. Le rouge au rouge. Le problème, c'est que le problème, c'est que Petit Boza, c'est un gars du Kwata. Un quartier résidentiel. Je suis de Ligue Joie. Donc, Petit Boza, j'ai un peu d'avance. Donc, c'est pas une fille de basket. Non, tu es Ligue Joie ou bien un tabac? Oui. Tu es de Ligue Joie ou bien un tabac? Ligue Joie, quartier résidentiel. Mais aïe, comme Petit Boza, c'est un gars de la rue, on va s'entendre. Ah, tant mieux. Toi et lobby. Bah, dans tous les cas, Gideon Nando. Un gars de Vogada. On peut faire un petit genre, non? Hey! Ouais, Sandy. Oh, wow! Une chanson rire, de départ, une ambiance avec des héritiers de marque. Bande Bachoka, là. Viens, mon Bachoka, sec. Bande Bachoka, là. Ah, DJ Bando, on peut applaudir. Alors, cette chanson s'adresse plus aux jeunes, hein. On s'en va, ça glisse dehors. Calmez-vous, hein. Vous qui voulez sauter, hein. Ça glisse. Comme si on a versé la mousse. Like okra. Voilà. Alors, messieurs et dames, si vous nous retrouvez à l'instant, bienvenue sur l'Afterwork Holidays. Nous allons tout simplement prendre la question du jour. Et la question du jour, ce jour, nous amène à vous poser, à vous interroger au 696 66 32 53. Quel est le nom du nouveau directeur de l'ESTIC? Jouez avec nous au 696 66 32 53 Indira. Give us the name of the new director of the Advanced School of Mass Communication. Voilà qui est dit. Bon, Sidonie, ben. Oui. Tu es toujours très très nerveuse. Oui. Pour la première fois, je vois sourire parce que Petit Bonheur est dans la maison. Deux corps de même nature ne s'attirent pas. Comprends-moi ce soir. Ronaldo. Il y a quoi encore? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais que c'est le début de week-end. Il y a des gens qui seront invités quelque part. Il y a certains qui ne seront pas invités. Alors mon coup de gueule cet après-midi, vraiment là où on ne vous a pas invité, ne partez pas. Vraiment, gardez vos questions. Les touristes là, restez chez vous. Vous ne pouvez, quelqu'un là, on t'a pas invité, tu es le premier à danser, tu danses même la sueur sans sur toi. Comportez-vous. Quand tu as la fête chez ton voisin, tu dois normalement être invité. Le cœur. Prends, ne m'invite pas et pas. Prends le cadenas, tu fermes le cœur comme ça. C'est quoi ce que tu n'as pas invité au blanc? Tu es ce malade. Tu parles de moi. La fenêtre. And he goes with a bucket to put food inside. Voilà, he goes with a bucket. Vous êtes quelque part, quelqu'un, il ne vous connaît pas, il est venu mettre les mains sur la table. Comportez-vous. Les Camerounais. Comportez-vous. C'est-à-dire que les gars ont des manières d'attaquer. Ah, tu vois. Non. Il fait comme si tu te connaissais. Hein. Hey, salut Roblat. C'est comme bon. Ça fait longtemps. Mais Tara, je prends un truc. Il y a là envoyé la main. Mon frère. Tu as été invité, papa. Calmez-vous. Bon, vraiment, sentez-vous. Restez chez vous. Oui, c'est tout. Comme on n'avait pas reçu d'invitation. Oui. D'accord. Supportez. Regardez la vidéo. Il y a des rediffusions comme ça sur le compte dehors. N'allez pas chez des gens nous embrouiller. Ne venez pas toucher tout. Non, c'est mon coup de gueule. Bon, vraiment. Tu as déjà assez parlé, d'accord? Oui. Celle-ci nous amène à prendre le Japap. Et comme je sais que tu aimes beaucoup le Congo ça là, Sidonie. Vraiment, le Congo ça t'a fait quoi? Oui, j'aime le Congo ça. Le Japap de ce jour alors, c'est quoi, non? Oui, j'aime le Congo ça. J'aimerais toujours le Congo ça. Moi, je fais mon Congo ça digne, hein. Soit une fille qui passe à la CATV, un truc comme ça, comme les gars du quartier. Comme avec Japap. Mais il faut être calme. Ah, commençons le Japap. On va parler de Chris M. Toujours Chris M. Non, Chris M, c'est
elle appelle souvent mes boules de cristal ou ma boule de cristal, je ne sais pas, elle a les noms. Donc il faut rappeler que Chris va entamer Usa Tour, donc elle va faire une tournée américaine. On dit wow. USA Tour, wow. Toi aussi. Usa Tour, non. C'est l'anglais, non? C'est USA. Tu penses à chaque fois, tu penses en français. Voilà les choses de Ligue de Joie. C'est le piège contre moi. C'est le piège contre moi. Non, c'est tout. Il n'y a aucun piège. Ouais, ne me gâtez pas. On ne gâte pas le nom. On ne gâte pas le nom. Ne me gâtez pas mon nom. Mon nom est pas le nom. Voilà. Comment? Alors, félicitations à Chris M. Voilà. Qui sort d'abord d'une tournée au BM. Maintenant, elle entame une tournée américaine. Donc, vraiment, on sent que ça va. Qui croira verra, elle croit en quoi ses rêves. On espère qu'elle va revenir et qu'elle va cesser de beaucoup se filmer. Pourquoi? Et, non, parce que elle doit se filmer. Pourquoi? Parce que quand tu filmes pas là, elle fait comme. Elle doit se filmer parce que. Tu as dit que she's present. Parce que je t'ai dit que elle fait comme le cul pouce deux. Elle se filme partout. Even in the toilet. Ah, des photos par-ci, par-là, c'est comme. Donc quand tu as parti en Amérique là, Chris M, pardon, calme les photos. Même le téléphone est à plein. Donc on va dire à Chris M que félicitations, Roblac. C'est le Cameroun qui gagne. Félicitations. Oui, c'est le Cameroun qui gagne quand même. C'est le Cameroun qui gagne. Et il faut penser à nous. Il faut d'abord nourrir son rêve sur place. Oui. Et après, le monde va nous accueillir. D'accord. Donc, Chris, on espère que tu n'auras pas le loyer impayé. Donc, si tu as ton bailleur, pardon, paye ton bailleur avant de partir. Alors, Roblac, on va continuer le Japon. On va parler maintenant d'une liste qui circule sur la toile. Il y a une grosse liste. J'ai vu cette liste-là. Je ne sais pas pourquoi les gens ne veulent pas laisser Cabrel se reposer en paix. Alors, cette liste a été sortie par l'animateur. Je ne connais même plus son poste sur cette terre. Robinson Pifo. Pifo, toujours Pifo. Toujours lui. Le même Pifo. Toujours. Quand je venais d'arriver, on me dit qu'il a même réactualisé la liste. Et il paraît qu'il a concrété 5 000. Il y a des noms que j'ai vus là. 5 000. Non, c'est grave. 2 000, 3 000. Donc, la liste là a fait le cœur des gens commencer à bouger sur la toile. On ne sait même pas ce qui s'est passé. Alors, notre Miss Cameroun, Julia Samantha et Dima s'est fâché. Parce qu'il y a une Julia dans la liste là qui a donné 5 000. Notre Miss a dit, hein? C'est moi. Moi, 5 000, Miss Cameroun. Non. Alors, elle s'est fâchée. Elle a fait un commentaire en disant, quand on veut saboter, on se rassure au moins qu'on est capable d'assumer après. Avec un minimum de véracité, je n'ai été tenue au courant d'aucune cotisation. Laissez Julia tranquille. Je ne suis pas là, la seule à porter ce nom. C'est trop facile. C'est vrai quand même. On n'a pas mis Edima. On n'a pas mis son Edima. Nom. Oui, on n'a pas mis Edima. En même temps, c'est tout le monde et ses personnes. Hein? Oui, donc on ne sait pas qui est la Julia qui a donné 5 000 francs. Mais nous, on sait quand même que notre mise ne peut pas donner 5 000 francs. On va prendre notre commentaire. Hassan qui dit, c'est mieux d'arrêter ce théâtre et cotiser pour les pauvres vivants qui ont encore les projets. C'est vrai quand même. Ouais, c'est mieux de nous célébrer tant que nous vivons. Alors, on a Papa Congossa VIP, Roblac, qui dit tout simplement, même le plus grand humoriste a donné 30 000. Le plus grand humoriste, je ne sais qui. Je ne sais pas. Moi, je connais chacun son plus grand humoriste ici sur Terre. J'espère que ce n'est pas Fingon. Je ne sais pas. Hein? On dit que même le plus grand humoriste a donné 30 000. Je ne sais pas qui a donné 30 000. Alors voilà, on va avec Indira. Le plus grand humoriste pour toi, c'est qui? Faut qu'on devine la vérité. Non, faut pas commencer. Non, comment? On descend le gars qui est de l'écran. Le tralala. C'est lui. Le tralala. J'ai vu son nom là. J'ai vu son nom là-dessus. C'est lui. Ok, d'accord. Il paraît donc qu'il a de l'écran. But that's his contribution. That's what he is. Donc, mine de rien, moi j'ai dit c'était pas quand même bien. Tu sais aussi que le gombo est dur ces derniers temps. Donc, si quelqu'un prend la traîne pour lui donner, c'est. Hein, tu vois? C'est quand même beaucoup. C'est beaucoup, non? Mais. Il faut saluer le geste. Mais quoi? On a un souci. Non, moi je prie beaucoup pour l'âme de ce gars. Oui, la prière est importante. Très importante. Ah, mais Roblac, moi la question que je pose, pourquoi Robinson Pifo a fait ce genre de choses quand même? Il cherche, il cherche le buzz. Non, il dit qu'il est très célèbre aussi. Parce qu'il se prend pas pour Vincent, ce gars quand même. Bah, ben c'est Pifo. C'est Pifo. Donc il y a une liste qui veut venir avec le lundi. Pif, hein? Une liste quand tu dis pif et tu ajoutes haut, ça fait Pifo. Il a réactualisé la liste. Et dans la liste, là, il paraît qu'il a donné 5 000 francs lui-même. Donc c'est un porteur. On a vu les 5 000. C'est un porteur. Mais on ne voit pas. Qui est le caissier même? Qui finalement le caissier? Quel caissier! Voilà. Quel caissier! En tout cas, Robla, c'était tout pour le Japap. Alors, c'était le Japap de Sidonie et Banga.
C'est mon nom là. Hey, Seigneur Ebanga. Ceci nous amène donc à vivre un petit instant comédie. Hein, ça dépend de vous. Hein. Ou alors vous voulez danser un peu le mbolé. Non, 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 on danse pas. Voici l'instant comédie. Je vais vous parler de tout ce qui complique la vie à un homme et à une femme. Bref, je vais vous parler des femmes. Si Dieu avait créé la femme avant de créer l'homme, il n'aurait jamais créé l'homme. Parce que quand Dieu lui-même il a créé l'homme, il a vu qu'il y avait un problème et il a corrigé le problème en créant la femme, la créature la plus parfaite. C'est pour ça qu'il y a des choses que seule une femme peut faire. Oui, les femmes sont capables de choses extraordinaires. Des choses qu'un homme ne peut pas faire. Par exemple, bavarder en des longueurs de journée pour ne rien dire. Oui, je sais, ça fait un peu cliché. C'est vrai, il y a aussi des hommes qui bavardent en des longueurs de journée pour ne rien dire. On les appelle les hommes politiques. C'est lui qui dit que je mens, il n'a jamais regardé une campagne électorale. Non, les femmes sont extraordinaires. Et parfois, quand je dis ça, les femmes disent « Ouais, nous sommes capables de traîner un gros ventre pendant plus de 9 mois. » Les femmes, ce n'est pas extraordinaire, ça. Il y a aussi des hommes qui sont capables de traîner des gros ventres pendant plus de 9 ans. Non, les femmes sont extraordinaires, je vous assure. Seule une femme est capable de vivre avec un homme dans une maison 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, sous prétexte que cet homme, c'est son mari. Le jour où vous allez voir un homme passer 24 heures d'affilée dans la même maison avec sa femme, soit il est malade, soit il regarde le football. Dernièrement, il y avait confinement. On demande à tous les gens de rester à la maison. À 12 heures, j'ai vu mon voisin dehors. J'ai dit, voisin, reste chez toi. Il me dit, moi, dans la même maison avec ma femme, 24 heures. Mm-mm. Le corona, on peut soigner, mais l'AVC, mm-mm. Non, les femmes sont extraordinaires. Je vous assure, les femmes ont la capacité de rendre un homme beau. Seules les femmes ont cette capacité. Elles utilisent une potion magique qu'elles appellent le mariage. Vous avez remarqué que quand une femme épouse un homme, il devient beau. La preuve, les hommes mariés sont les plus infidèles. Oui, les hommes mariés sont les hommes les plus infidèles. Ce sont des statistiques validées par l'ONU SUFO, l'Organisation des Nations Unies pour la souffrance dans les foyers. Non, l'étude a été faite dans deux grandes universités du monde. Les plus grandes d'ailleurs, l'université de Fona-Keke, à l'ouest du Cameroun, et l'université de Gaza-Gazade, au nord Cameroun. Donc, sur un échantillon de 10 hommes mariés étudiés, il a été prouvé qu'au moins 11 sont infidèles. Non, les femmes sont extraordinaires. Les femmes sont extraordinaires. Souvent, on dit que l'homme n'est rien sans la femme. Mais je vous assure, sans l'homme, la femme est bien. En d'autres termes, c'est toujours quand une femme rencontre un homme que sa vie se gâte. La preuve, quand ma femme était célibataire, elle était belle. Depuis qu'elle m'a épousé, elle a des vergetures. Les femmes, si vous voulez être heureuse, restez célibataire. Comme l'avait dit quelqu'un, un célibataire, c'est quelqu'un qui a raté l'occasion de rendre une femme malheureuse. Ce monsieur là, vous voyez, non, il dit des choses qui sont pas bon. Moi, heureusement que j'ai, hein, tu vois, donc je peux venir rester ici à côté de vous. Ça se fait, non? Ne nous gâte pas les choses, ne nous gâte pas les choses. Ne nous gâte pas les choses, tu nous aimes. C'est moi qui fais un très petit beaux-art. D'accord, alors, tu nous aimes. Si je ne lance pas le jingle de l'invité, il n'entre pas. Donc, calmez-vous. Je vous ai dit, pas de bouton là, mais c'est calme. Voici le jingle qui annonce. Petit Beaux-Arts. Petit Beaux-Arts, est-ce qu'on peut faire du bruit pour la rue est parmi nous. Quand je dis qu'il y a la rue, c'est cette belle marque qui tire. Là, je te présente assez bien. Dans la rue, c'est comme ça. Pas des bisous. Donc, vraiment. Non, moi, je suis pas grandi dans la rue.
Est-ce qu'il y a encore le corona, petit virus, toi aussi? Tu reviens nous coller. Oh, non, 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 ici. Petit Moza, bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien? Toujours, la rue est posée. Elle est posée. Mvokada se porte bien? Toujours, toujours. Tu as déménagé de Mvokada? Pour le moment. Pour le moment, tu as déménagé. Ça veut dire que ça a changé. A changé un peu. Quand on retrace, pas totalement, mais... quand on retrace l'histoire du Mbolé, il y a quand même trois noms, hein? trois prénoms. Petit Beaux-Arts, Petit Malo, Petit Virus. Pourquoi petit, vous tous trois là? Petit, petit, parce que quand celui qui a commencé, ça a commencé, lui-même, il était petit. Ah, ici, Paco. Ah oui. Que c'est mis petit, Paco. C'est vrai que pour nous, c'était un rêve. C'est qu'on voulait grandir. Il fallait automatiquement faire comme les aînés. Ce qui fait que quand toi, tu viens derrière, tu dis, bon, moi, c'est petit Beaux-Arts. Moi, c'est petit Virus. Et moi, c'est petit Malo. Mais donc, on part d'un quartier chaud. Vokadan, Kondong, Etam, Bafia et autres. Et les Guédois? Bien représenté ce soir. Quand on parle de ces quartiers chauds, on a l'impression d'être à Yopougon, à Abidjan, où d'ailleurs aussi un tel mouvement est né qui a fait tu vois, le grand buzz et le Mbolé. Le Mbolé qui part de très loin peut-être, ouais. Mais qui prend ampleur avec vous par votre action lors des veillées de deuil et cette percussion et cette manière de danser, de chanter. C'est votre identité aujourd'hui. Comment vous sentez aujourd'hui quand vous écoutez le Mbolé partout? Voilà, déjà moi je dis souvent, j'ai son habitude de dire que pour moi, ça me surprend d'une part, mais d'une part, ça ne me surprend pas. Ah ouais. Ça me surprend parce qu'on ne voyait pas ça comme ça. Uh-huh. On était dans les veillées et autres. Uh-huh. Mais aujourd'hui, ça ne me surprend pas aussi parce qu'il y a le talent. Ça veut dire que même dans les veillées, on ne doute pas, on ne doutait pas de ce qu'on fait. Bon, pendant que tu réponds à moi, surtout, vas-y, posez la question à Petit Beaux-Arts. Petit Beaux-Arts, ton premier titre, on veut saouler. Ouais. Après, il y a détecteur de gays. Alors, toi, tu prends tes tics, je veux saouler, détecteur de gays, l'inspiration te vient d'où? De la nature, en fait. Je m'inspire toujours de tout ce qu'il y a autour de moi. Mm-hmm. Donc, je ne prends pas loin. Donc, quand je dis on veut saouler, c'est une inspiration que j'ai créée en fonction de ce que mes yeux ont vu. Mm-hmm. Automatiquement, on s'est rendu compte qu'on a des présidents qui sont prêts à tourner tout un bar. Mais dès que tu soumets un bébé de Fab Colo, même Kobo, il n'y a plus. D'accord. Et on vit ça tous les jours. Du coup, ça devient une chanson. D'accord. Alors, Petit Beaux, quelle est la chanson qui te vers le public camerounais? Au public camerounais. Parce que avant, c'est vrai qu'on a connu un peu le détecteur de gays, Bob Marley, parce qu'il vous rappelez qu'il a écrit une chanson en hommage à Bob Marley. Alors, quelle est la chanson qui te fait connaître véritablement? Moi, je veux dire que c'est détecteur de gays. C'est détecteur de gays. Ok, hein? Détecteur de gays, là, gars. C'est une machine. Le détecteur, là, c'est... Tu peux nous le présenter, ce détecteur? Non, c'est nous les détecteurs, quand... même. Ah, d'accord. Donc, on dit que le capitaine de la rue, c'est le détecteur en chef. Ok. Mais pour... Ben, j'ai compris. Petit Beaux-Arts, tu aimes beaucoup le football. Tu as d'ailleurs pratiqué du football. Oui, oui. Tu aimes la sape. On voit, tu vois, bling bling. Mais un gars qui a vu sa vie partir comme ça, est-ce que le regard a changé sur toi dans ton quartier? Est-ce que tu as pris de l'épaisseur ou bien le mélon pour plus que les gens te regardent comme avant? Automatiquement, le regard a changé. Puisque si on te voyait, tu étais Petit Beaux-Arts du sous-quartier, après subitement, tu es Petit Beaux-Arts qui fait le tour du monde entier. Ça, on va plus te regarder pareillement. Mais toi, tu restes le même? Non, moi, je ne peux pas changer. Mon état d'esprit reste pareil. C'est-à-dire que si tu veux, tu me regardes différemment, mais moi, je ne change pas. Je suis d'abord le boy. Mais le Mbolé, c'est un mouvement qui influence maintenant d'autres rythmes musicaux du Cameroun et même d'Afrique. Est-ce que vous avez mis votre association, hein, une politique des diffusions de cette musique pour qu'elle ne soit plus qu'une musique des sous-quartiers, mais qu'elle devienne un événement pour l'Afrique? On le fait tout le temps, on bagarre même tous les jours pour que le rythme grimpe. Si on n'avait même pas le génie, c'est que peut-être le rythme est mort. Parce qu'en même temps, comme nous-mêmes, on ne nous laisse pas les sous-quartiers, le rythme est combattu. Parce que sortir de nulle part comme ça, venir s'imposer là où on a trouvé d'autres rythmes, après, rester à la tête, automatiquement, les autres rythmes vont nous regarder bizarrement. Ce qui fait que monter devient compliqué. Petit Beaux-Arts, tu restes avec nous. Ouais, voilà, monsieur Zidane, le temps de vous rappeler la question du jour. Donnez-nous le nom du tout nouveau directeur de l'Estique. Alors, Mando, on peut danser un peu, non? Les massas, le goût de ça. Oh, yeah. Ok, now we are going to go to the steps, how to prepare our ndole. The first thing that you have to do when preparing your ndole is to wash your bitter leaf, because the leaf is very bitter, to remove all the bitterness in the
in the bitter. You have to wash it very well. Once you wash your bitter leaf, you make your granite to grind. To boil, you boil your granite and you boil your meat aside. Once you're finished to grind your granite, you take all your spices, your garlic, your onions, your pepper, and your crayfish. I've forgotten to list it. Your crayfish, your dry fish. You mix it inside the pot. And once you mix it inside the pot, you turn it gradually. You leave it for 20 minutes. After 20 minutes, you come back. You add your meat inside. Once you add your meat, you add your ndole, and you turn gradually. Then, apart, you take your onions and your oil. You put your oil inside your onion, and then you put it on top of your ndole. Yes, and your ndole is ready. Et après, qui peut manger? No, everybody, you eat it with fried plantains, miondo. Yes, in the little region we eat ndole with miondo. It's very nice. But you can eat it. And even some people eat it with bread. Tu as vu ce qu'on a sur le dans le ndole là? Les gambas. Ah, yeah, les gambas. Les gambas. I heard that people eat ndole with bread. Le pain. Oui, on mange aussi un pain, non? Ah bon? On mange avec le pain. Ndole with bread. Ah non, attends, je te dis quelque chose. Hein? L'une des choses que Master Ivo aime, c'est le ndole au riz. Ah. Oui, ça passe. Oui, ça passe ici bien. Il y a des obstacles. Oui, ndole obstaclé. Obstaclé. Alors, il y a apparemment Mbappé et Ngannou qui mangeaient ce ndole. When Kylian Mbappé came here, he saw that our meals now. Mm. He decided to eat ndole. Mm-hmm. We have the picture. I don't know if they can show us the picture where we see Kylian Mbappé and Francis Ngannou eating the ndole. Ndole. Look voilà. At the picture, Massa. Les gars sont en train de tuer le ndole. With fried plantains and miondo, Massa, le goût de ça. Merci à toi, Indira. Est-ce qu'on peut... Ah ouais, Indira. C'est comme si tu étais du littoral, hein? Parce que yes, là-bas, I'm voilà... Littoral region. Littoral and center region. Voilà. Alors, petit Beaux-Arts, pour revenir à toi, c'est quand même fou d'avoir l'ambition. Il y a souvent qui sortent des bas quartiers. Avec le succès, on prend une grosse tête, on s'achète une grosse caisse. Mais toi, tu es rentré dans la construction d'une vie, une marque aujourd'hui qui identifie tes origines. La rue, parle-nous de ta marque. Voilà, la rue, c'est un concept qui regarde les enfants qui sont comme moi. Pas seulement comme moi, mais tous ceux qui pensent un peu comme moi. Mmh. Tous ceux-là qui se lèvent le matin, ils partent te chercher. Ils rentrent le soir fatigués, ou alors ceux-là qui se réveillent en soirée, qui passent toute la nuit dehors, le matin, qui rentrent fatigués. Donc ça c'est un peu pour nous la rue. En fait, ce n'est pas seulement moi, la rue, ce n'est pas seulement les gars du sous-quartier, ou bien, non, tu peux aimer qu'un ministre, mais c'est la rue, parce que tu choques ta réalité. Donc la rue, c'est tous ceux qui choquent leur réalité. Ouais. C'est un peu ça. Dans tous les cas... Mais vas-y, petit Bosa, où est-ce qu'on peut trouver les vêtements la rue? Les vêtements, la rue, on les commande. Bien... On les commande, justement. On les commande. Il y a le numéro de commande. Déjà que ce n'est pas moi qui gère. Il y a quelqu'un qui est là pour gérer. Chacun s'occupe de ça. Mais si tu écris à mon compte ou à ma page, je réponds facilement. D'accord. Et tu peux recevoir ta marque. Même de mes propres mains, on ne sait jamais. D'accord. Merci. Vers le micro, hein. Fais pas okay, le micro. Thank you. You know, among all your songs, there's one song I love the most. It's L'Unité. That's when I'm going back home. I just put it in my ear. I just hear it. So I want to know, why have you decided to sing that song? Because when you hear that song, enfin, j'ai écouté plusieurs fois. Et en tout cas, how can I say, it's full. The text, en fait, is very good. I want to know, why have you decided to sing that song? C'est comme les projets. J'ai répondu à une question ici. C'est que je fais tout avec l'émotion. Okay. En fait, ça veut dire que unité... J'ai sur l'habitude de dire aux gens que je n'ai pas écrit unité. Et c'est difficile pour qu'on essaye de me croire parce que le texte est tellement profond. Mais juste l'arrangeur qui est DJ Lexus m'a poussé à bout. Il m'a donné un devoir et il m'a dit, fais la conclusion. Donc, il était question de faire un rapport avec le Mbolé et ce qui se passe actuellement au Cameroun avec la crise et tout ça. Et du coup, il a mis un beat qu'il fallait et moi, j'ai mis le casque. Et je me suis blessé moi-même émotionnellement d'abord. Et quel est l'impact que cette chanson a dans ta carrière et surtout auprès des mélomanes, des fans du Mbolé? Je veux dire que jusqu'à aujourd'hui, c'est la chanson, je ne sais pas. C'est la chanson jusqu'à aujourd'hui que je ne peux pas oublier dans une playlist.
Mais cette chanson, quand tu la fais, quand tu la chantes ce jour-là de manière spontanée, tu t'adresses à ton pays, tu t'adresses à toi-même finalement. À tout le monde, plus moi-même. Oui, l'unité c'est ça. Petit Beaux-Arts, est-ce qu'il y a unité au sein du Mbolé, les acteurs du Mbolé? Non. Pourquoi? Parce que le Mbolé c'est un rythme qui a grandi dans la guerre. C'est violent. Very, very brutal. Alors, comment est-ce que vous faites pour que les autres l'acceptent finalement, qu'ils deviennent comme le coupé décalé ou alors tout ce qu'on a connu en Côte d'Ivoire? Ah, ça, là maintenant, ça dépend des textes de tout un chacun et de ce que chacun dit dans sa musique. Et ça qui fait en sorte que le Mbolé, sinon la solidarité, non, il n'y a pas ça. Est-ce que vous savez que le Mbolé, ça met tout le monde ensemble? D'ailleurs, ça part du mouvement scout. Oui, justement. Les militaires. Le Mbolé, déjà, même, c'est un mouvement d'ensemble. C'est un mouvement d'ensemble. Mais maintenant, c'est comme on disait souvent chez nous, chaque quartier avait son leader. Mm-hmm. Ça veut dire que quand tu arrives dans le quartier, DJ Mendo, tu couvres le capitaine de la rue. Yeah. Donc, c'est moi qui suis le leader là-bas. C'est le leader. Tu arrives à Anguissa. Tu vas voir Petit Virus, tu arrives à Kondongo, tu vas voir Petit Malo. Ça veut dire que là, il y a déjà un problème de leadership. Mais maintenant, c'est le texte de chacun qui va prouver que celui-là est le meilleur, celui-là est le ceci, celui-là est le cela. Mais sinon, à défaut de ça, pour moi, c'est même une bonne guerre. Parce que ça nous pousse à travailler. Ben voilà, nous revenons sur votre question dans quelques instants, ok? Oui. Le temps pour nous, messieurs et dames, de vous dire que voici l'instant court réel. Ah, elle est Duc. Non, elle n'aime pas qu'on l'appelle Duchesse. Laurence Duc, est-ce qu'on peut applaudir très fort pour elle? Laurence, tu vas te placer à côté de Petit Beaux-Arts, hein? Est-ce que tu connais quelques musiques de Petit Beaux-Arts? Ah, je sais. Ah, mais la danse, c'est mal au Marco, ça. C'est le Mbolé, non? C'est le Mbolé. C'est le Mbolé. Tu connais la Mbolé, c'est ça. Alors, Laurence Duc, ce soir, le courriel nous rappelle quoi? Oui, le courriel, c'est un jeune qui vient de Kansamba, junior, qui nous dit qu'il a sûrement eu des problèmes avec un ami, qu'il a trahi. Voilà ce qu'il nous écrit. Comment regagner la confiance d'un ami qu'on a trahi par erreur? Alors, tu vas venir vers le micro, on va le faire simplement. On reprend la question pour que tout le monde l'écoute, d'accord? Elle fait fuir le micro, on ne sait pas. Tu préfères fuir le micro, c'est le Petit Beaux-Arts qui te fait ça? Je ne sais pas, On reprend ça. Oui, je disais, Petit Junior, le Junior, il dit, je vais aussi ajouter Petit Junior. Junior, il dit, comment regagner la confiance d'un ami qu'on a trahi par erreur? Alors là, c'est... que je me suis bien... Oui, là... On a bien compris. Cette fois-ci. Solange. Moi, je ne suis pas d'accord. Il a trahi en quoi faisant déjà? Qu'est-ce qu'il bon, il ne nous a... On ne sait pas ce qu'il a fait. Il y a des trahisons qui ne sont pas... On ne sait pas. Voilà. On ne sait vraiment pas de quelle trahison il s'agit. Parce qu'il n'a pas précisé. On va essayer d'énumérer quelques trahisons. Voilà. Est-ce qu'il a tapé... Est-ce qu'il a tapé d'eau? Est-ce qu'il a tapé la Zaza? Comme les jeunes disent. C'est comme ça qu'on dit chez vous, non? Dans votre langage, la Zaza. Parce qu'on s'adapte. S'il a tapé, il a pris la femme. Est-ce qu'on lui a confié un secret? Il a révélé. Ouais. Est-ce qu'on lui a confié un argent et qu'il a bouffé? À ce moment-là, si c'est qu'il a, il est allé avec la copine de son ami. Petit Beaux-Arts, qu'est-ce qu'on fait en ce moment-là? Non, dans la rue, on ne trahit pas. Si tu as fait comme ça, là, c'est mort. Moi aussi, je ne pardonnerai pas. Non. Bon, Robla, moi, peut-être je vais aller à l'encontre de tout ce monde-là. Pour moi, l'amitié est au-dessus de tout. L'amitié est au-dessus de toute chose. Ça veut dire il faut pardonner, quoi qu'il arrive. Oui, il faut pardonner. On a crucifié Dieu tous les jours. On dit tout au Seigneur tous les jours ici. Mais il nous pardonne. Donc moi je pense que gars, il faut pardonner à ton ami. Oui, il faut pardonner à ton ami. Mais pardonner alors maintenant, il faudra quand même qu'il reconnaisse qu'il a fait quelque chose de mal. Pardonne, il met un pied. Bon. Mais oui, s'il reconnaît qu'il pardonne. Non, on ne doit pas pardonner. Il y a deux choses. Il y a deux choses qui séparent juste ici. C'est l'argent et la femme. Donc, s'il a mangé l'argent de son ami, c'est un peu mort. Tu vois? Mais si c'est la femme, c'est complètement mort, je pense. Donc, mais bon, si c'est un secret qu'il a trahi, bon, c'est pas grave. C'est
Mais franchement, évitons, retenons nos émotions. Ah, c'est, hein? Voilà, c'est grave. Hein? Parce que quand vous êtes amis, là, le degré de responsabilité, d'engagement dans l'amitié, c'est toujours pas au même niveau. Hein? Ça, il y a celui qui est en bas et l'autre qui est très en haut. Et celui qui est très en haut est toujours tout le temps déçu. Mm-hmm. Oh là là. Oui, tout le temps il est déçu. Oh là parce là qu'on lui fait toujours des coups foirés. Hein? Petit Bozard, ça t'est arrivé de vivre un truc pareil? Moi, comme tu me fais comme ça, t'es banque une fois. Ok. Bon, voilà. Voilà. Donc, Pour cela, c'est terminé. C'est terminé. Mais quand même, je rejoins aussi l'idée de Sidonie qui dit il faut pardonner. Oui. Sidonie a déjà révélé que Dieu est venu là pour nous sauver du péché. Donc ne pas pardonner, c'est crucifier. C'est crucifier pour toujours. Mais pardonner, ça veut dire considérer la personne. Laurence, nous vivons dans une société de défis aujourd'hui où tout le monde pense que le mari est le mari de tout le monde, la femme est la femme de tout le monde. Par exemple. Où l'argent peut appartenir à tout le monde au même moment. Non, c'est pas ça. À l'époque, il y avait effectivement ces valeurs. Quand tu voyais la femme à autrui, tu regardais jamais. Mais aujourd'hui, tu arrives dans un coin, tu es avec ta femme, et tu vas un gus là, tu vois qui va. C'est quand on dit que c'est la femme même de Beaux-Arts, c'est-à-dire que c'est même elle-même qui. Ouais. Mais ça même. Vraiment, évitons de trahir. Évitons les choses à autrui. Évitons de prendre, de trahir les secrets, de prendre la femme de Beaux-Arts. Parce que non, c'est pas la femme de Beaux-Arts. Il ne va pas vous pardonner. On va accompagner Laurence. Et d'ailleurs, c'est la fin, non? C'est la fin de la semaine. Oui. On se retrouve lundi. Tranquille. Un petit bout. Hein. Le gars des fesses. La même misère. Alors, maintenant, on va regarder le clip dans quelques moments, d'accord? Mais on va d'abord cueillir les ouais très très forts. Soucia, comment tu vas? Ça va et toi? Bah écoute mon frère, tu vois? Je me pense mal à la tête là. Papa, moi je peux plus te parler. Je parle avec les gens qui ont le passeport. Tu parles avec les gens qui ont le passeport? Oui. Va te placer là-bas. Tiens-toi le cafouillage. Voilà, un vrai gars de la rue. C'est un peu un gars de la rue. Tu as eu ce tatou? Je vois comment lui il exprime ses émotions. Même ah ben voilà. Soucia, Brandon Soucia, bonsoir. Bonsoir, ça va? Les Way Force ce soir. C'est à moi que tu poses la question ou bien c'est moi qui pose la question? Elles sont calmes depuis qu'elles ont vu Bozar. Seigneur. La fille, si elle n'est pas comme ça, souvent elle est agitée. Comme elle n'est jamais comme ça. Oh Seigneur, elles sont. Allez, Soucia, on commence avec quel sujet, monsieur? Les Way Force de ce soir va s'intéresser à ce qui occupe nos jeunes, ce qui occupe nos vacanciers, particulièrement nos vacancières. Qu'est-ce que nos vacancières font pour occuper leurs vacances? Qu'est-ce qu'elles font pour s'occuper entre elles dans leur journée et tout ça? Et comme ce sont les fiancées, elles font ce que Sidonie, si c'est Sidonie ou Sidonie. Les japapeuses. Elles font ce que Sidonie fait ici là. Elles s'immiscent dans la vie des gens, elles cherchent un peu les petits papiers là, elles exposent ça sur les caméras. Mais sauf qu'au quartier c'est différent. Tu te lèves le matin, tu n'as rien à faire, tu te lèves. Tu pars, tu te promènes. Dès que tu entends les petits bruits, là, tu dois d'abord savoir ce qui se dit pour venir colporter. Bon, le français, on appelle ça le colportage en français. Commérage, colportage. Mais nous, on aime le Congo, ça. Non, depuis un certain temps, c'est devenu. Calmez-vous d'abord. Fais-nous voir ce que tu nous donnes à la télé. Le français appelle ça le commérage, colportage. Moi, je vous donne le Congo, ça. Regardez comment le Congo, ça se passe. Il faut d'abord s'occuper de sa vie. Sidonie,
C'est ce qu'on te fait souvent quand tu pars. Non, j'ai les gardes du corps. Bravo. Et dans notre vidéo aussi, là, cette vidéo va nous vraiment nous rappeler que avant d'enlever la poutre qui est dans ton œil, avant d'enlever, c'est quoi là? Regarde, il se casse là. Ok. Avant d'enlever la paille. Le poteau, qui est dans l'œil de l'autre là, Non, c'est avant d'enlever la paille qui est dans ton œil. Occupe-toi d'abord de la poutre qui est dans ton œil. Non, tu n'as rien dit. Finalement, tu n'as rien dit. La vidéo, c'est une personne qui se lève le matin. Elle n'a pas encore pris soin d'elle. Mais elle va quand même chercher à faire le Congo ça. Qui va me donner mon argent aujourd'hui? Qui va me donner mon argent aujourd'hui? Mes voisins, ma frégomme dans le panier en direct. Tu vas bien dire là où tu travailles. Une sac vide comme toi. Une petite fille de merde. Maintenant, elle a une bonne raison d'aller se laver. Une bonne raison. Elle a une bonne raison d'aller se laver en fait. Et la suite hein? Mais sauf que maintenant, on se rend compte que le Congo, ça s'en laisse pas que les filles. Hein. Ça prend aussi les garçons en fait. Et il faut vraiment laisser vos enfants à la maison. Il ne faut pas les laisser sortir n'importe comment. Comment on appelle un garçon qui fait le Congo ça, Sido? Un Congo 6. Un commère. On appelle une princesse. Hey. Regardez la vidéo aussi. Occupez-vous de vos affaires. Tu sais que c'est pas chaque jour qu'on voit un petit Boza, non? Oui. Avant de partir, je vais lui poser une question. D'accord. Qu'est-ce que tu as comme message à ces gens qui aiment trop s'immiscer dans ta vie, qui veulent faire le Congo ça sur ta vie? Parce que tout à l'heure, j'ai vu que tu as dit que tu banques les gens. Laisse le micro. Non, c'est pour qui c'est pas qui s'exprime sur le micro? Quel message tu as à passer aux gens qui s'immiscent dans ta vie, qui veulent faire le colportage de ta vie, le Congo ça sur petit Boza? Ils font même encore plus, ils ajoutent encore plus, c'est grâce à eux que j'avance. Merci. Soucia, est-ce qu'on peut l'applaudir pour la sortie? Bon week-end, mon pote. À nous retrouver très bientôt sur cette antenne. Alors, petit Boza, tu as vu ce qui se passe? En Bougada, ça se passe aussi en Konongo partout. Et même à Bastos, hein? Terriblement. Grave, mon frère. Au Soko. Alors, quelle est l'actualité de petit Boza? Puisque c'est les vacances, pour le moment, on ne fait pas de tir, on se concentre beaucoup plus au spectacle. On cherche l'argent. Tu cherches l'argent. Et le spectacle, tu as un spectacle en vue ces jours? Dimanche prochain. Du côté de Nkolfoulou, ce dimanche. À la fabrique. Sur Pat Infinity, apparemment. Oh, ça va faire fort. Hein. Avec Alain Dexter. Apparemment, c'est à partir de 10h. 10h le matin. Oui, et le concert qui s'appelle Dimanche Casier. Dimanche Casier. C'est pas possible. Nkolfoulou. Ben écoute, tu seras en spectacle aussi. Oui, bien sûr. Puisque il faut que quand les ambas et les casiers, moi, les rythmes d'une manière. On voit que tu te retrouves que tu as baillé même deux casiers. Après ça, tu bois, tu saoules. Rien n'est à faire. Genre, non, le capitaine m'a témoigné bien. Alors, petit Boza, moi j'ai une question. Dernièrement, DJ Lexus a lancé, je ne sais pas si c'était un concept pour un concert. Le mot, c'est pas la gogue. C'est ça. Alors, qu'est-ce que toi, en tant qu'artiste aujourd'hui, parce qu'on parle du Mbolé aujourd'hui, on parle de petit Boza. Qu'est-ce que toi, aujourd'hui, tu fais pour que ces enfants-là n'entrent pas dans ce problème de gogue? Déjà, d'abord, on fait l'effort de les passer les messages tous les jours, même quand on chante. Et déjà, nous-mêmes, ils ne nous voient pas faire ça. Voilà, ils ne nous voient pas faire ça. Donc déjà, quand Lexus dit le mot, c'est pas la go. Oui. C'est qu'ils doivent comprendre que l'inspiration, là, ce n'est pas une histoire de go. Moi, voici, je suis sur le plateau, si je m'exprime posément, aisément. Je ne me suis pas grogué. Même si on me demande de chanter, là, je vais chanter. C'est mais tu vas chanter. Tu vas seulement chanter, gars. Tu vas seulement chanter. Pas besoin qu'est-ce de que tu croquer. Crois. Donc, du coup, le mot, c'est pas la go. C'est parce que nos petits qui viennent derrière, utilisent ça, ils mettent devant. Bref, eux, ils aiment même la gogue, c'est pas le mbolé qu'ils aiment. D'accord. Donc, coup, ça. Il ne faut pas qu'un enfant se couvre dans la gogue, après on dit qu'il se gogue, c'est pas si il suit le mbolé. Non. D'accord. Est-ce que vous avez imaginé, ambitionné même, des collaborations avec l'international? Oui, bien sûr. Mais on peut faire travailler encore que nous-mêmes maintenant, parce qu'il y a beaucoup de petits frères qui font bien dans les sous-quartiers. Si on commence à mettre le niveau trop haut, on va les oublier. Mais c'est aussi vrai que dans le mbolé, l'instrumentation est entrée. Pourtant, au départ, c'était juste la percussion. Et le chant, mais aujourd'hui il y a les guitares basses, toute une orchestre. Grâce à DJ Lexus, wow. Il a pris le mouvement, il a levé au Kwata. Oh. Voilà. Donc maintenant, on peut te faire même un live avec orchestre complet. Maintenant, on est en train d'avancer vers l'industrialisation du Mbolé. Oui. Voilà. Messieurs et dames, l'instant, c'est surtout les programmes de la CRTV. Et quand on parle programme de la CRTV,
Solange Chukita. Voici, messieurs et dames, les Happies. Solange Chukita, bonsoir une fois de plus. Bonsoir au Black. Les programmes, on vous écoute. Bonsoir déjà à tous ceux qui nous regardent sur le petit écran. Lucrèce Mbenga recevra l'honorable Jean-Jacques Nzam sur questions économiques. Il reviendra sur le Parlement de la session de juin et ce sera diffusé dès ce soir à partir de 21h35 sur la CRTV. Ce jeudi sur la CRTV. Pour tordre le cou à l'inflation, il faut accroître la production, notamment la production agricole. Parce que si on veut faire baisser les prix sur le marché, il faut accroître la production. À ce moment-là, les prix baissent de même à travers la loi qui est bien connue, celle de l'offre et de la demande. Pour vous, c'était une session plutôt riche? Oui, c'est une session riche à laquelle nous avons pris part parce que nous avons adopté pas moins de 11 textes législatifs. Par rapport, par exemple, à la session de mars où il n'y a eu pas grand-chose, je crois que c'était une session assez riche et les débats ont été intenses, notamment le débat d'orientation budgétaire, la loi sur les PPP, la loi de finances rectificatives, la loi d'orientation sur l'enseignement supérieur. Donc, c'était des textes fondateurs, c'était des réformes importantes que le gouvernement a proposées et le Parlement les a toutes validées, toutes ces réformes. Vas-y. Prenons à présent la route direction le sud de Cameroun, précisément Angoulême-Makong. Dans cette localité, le manioc se produit de grande qualité. Retrouvons le manioc de Angoulême-Makong tout à l'heure après l'afterwork. Le manioc est l'un des aliments les plus cultivés au sud du Cameroun. Apprécié à la fois par les humains et par les animaux, on le consomme ici des feuilles au tubercule. Les producteurs de manioc se sont organisés en une coopérative dénommée Sokoproman. Qui dit Angoulême-Makong dit manioc, parce que nous sommes un véritable bassin de production du manioc en ce qui concerne serait-ce que la région du sud. Le manioc est l'avenir de l'économie de la région du sud. Mettons-nous ensemble et cultivons-le. Aujourd'hui, qui aura encore raison de dire que son manioc pourri? Puisque l'usine est là, vous arrivez, vous allez vendre votre manioc, on vous remet votre argent, l'usine transforme et envoie au vent partout où elle veut. CRTV, au cœur. C'est la période des vacances sur CRTV avec Cameroun Feeling, présenté par Rose Mounjongue, qui sera diffusée dès demain à partir de 6h sur la CRTV. Bah, ça c'est... Voilà. Allez. C'était tout pour les programmes de la journée. Rendez-vous la semaine prochaine sur la CRTV, la chaîne au cœur de la nation. Bonne soirée. Et d'ailleurs, au zapping, on retrouvera... Oui. Un autre visage. La Coco, comme on l'aime bien. Maëva Matip sera au zapping à partir de lundi. Elle va te remplacer. Ah ça, on va t'envoyer au quartier ou quoi? Non, je peux pas envoyer ma reine au quartier quand même. Elle peut pas aller à Dubaï. Merci d'applaudir pour Solange Chukita. Petit Malo, Petit Beaux-Arts. Petit Malo, il est le pape. Et toi, tu es quoi? Le king? Le capitaine? Et Petit Virus? Le monstre, c'est ça? Le Ndolin des pros. Quel est le rêve que tu nourris vis-à-vis du Mbolé dans 10 ans, par exemple? D'après mes efforts, moi je vois le Mbolé en train de dépasser, me couper, décaler. Genre on se voit aussi faire les grands concerts, pourquoi pas les stades, si possible. Est-ce que le Mbolé bénéficie aujourd'hui du financement, même du soutien des instances culturelles du Cameroun? Pas vraiment.
Mais il y a quand même eu des un festival Ndolé, non? Organisé au... Justement, mais ce n'est pas organisé comme vous pensez là. Ce n'est pas. Comme à l'heure présentement, il y a un autre festival qui se prépare du côté du palais de sport. Je ne suis même pas convié, je ne suis même pas invité. Ce n'est pas un festival. C'est un festival Ndolé sans le capitaine du Ndolé, ce n'est pas un festival. Mais je pense que c'est plutôt une rencontre entre plusieurs danses qui viennent d'Afrique et le Ndolé du Cameroun. On va profiter pour dire ça ici. Hein. On doit appeler tous les acteurs du mouvement pour que ce soit bien fait. À défaut de ça, ça peut taper poteau. C'est justement Le message est passé, hein, petit Beaux-Arts. Le message est passé, dans tous les cas. Alors, je voudrais donner la réponse à la question du jour. Indira, tu sors déjà la cagnotte. La question était de nous donner le nom du nouveau directeur de l'ESTIC. The question was to give us the name of the new director of the Advanced School of Mass Communication. Et le nom de ce grand homme, c'est le professeur François-Marc Modum. Et qui gagne alors aujourd'hui? Petit Beaux-Arts, peut-être qu'il va remporter une casquette de la rue, hein? Tu tires un papillon et tu donnes le nom, le numéro de téléphone et la ville. Ben, tu as tiré plusieurs choses au même moment. Il est généreux. Il veut faire deux gagnants aujourd'hui. Petit Beaux-Arts, le nom. École Stéphanie des ECA, 699 115402. Can you repeat the name? École Stéphanie des ECA. Ah oui, et le numéro de téléphone? 699-115402. Voilà qui est dit. Dans tous les cas, une question. Moi, j'aimerais savoir Petit Beaux-Arts. Vous avez les questions à Petit Beaux-Arts, hein? On est inspiré, c'est l'inspiration. Vous êtes trop inspiré aujourd'hui. Il y a plusieurs titres en vue, même. Plusieurs nouveautés. Peut-être qu'on va envoyer même ça en série de 2-2. Mais vous connaissez moi une statue, parce que c'est les vraies inspirations. Alors. Bon, du coup. Donc, on attend impatiemment. D'accord. En tout cas, le rendez-vous est pris pour dimanche. Y a-t-il un moyen? Est-ce qu'on pourra retrouver aussi la marque Larue à la fabrique en Colfoulou? Sur place. Sur place, tout se fera sur place. Dimanche à partir de 10h. Ouais. Rendez-vous avec Petit Beaux-Arts. Mais il est temps qu'on regarde un peu un bout de ta musique, d'accord? Voici Petit Beaux-Arts à la télé. On n'a pas choisi, on n'a pas choisi. La rue m'a dit un jour, le boy, pour réussir dans la vie, faut que tu cravages tous les jours. One day ça va payer. Parce que c'est la rue qui gagne, c'est la rue qui gagne, c'est la rue qui gagne. Et on n'a pas choisi. Tu travailles tous les jours, tous les matins, toutes les nuits, sur le soleil, sous la pluie. One day ça va changer. Parce que c'est la rue qui gagne, c'est la rue qui gagne, c'est la rue qui gagne. Choisi. C'est la rue qui gagne, c'est la rue qui gagne, c'est la rue qui gagne, on est dedans, on n'a pas choisi. Appelle-moi Petit Beaux-Arts, pour la tisse des bonnes, un enfant de Vogada qui n'a jamais baissé les bras. On ne compte pas sur maman, on ne compte pas sur papa, c'est qui est si nous sommes là et on n'y va pas à pas. Beaucoup de mal est chanté, beaucoup de quartiers pas grouillés, capitaine de la rue. Dans la rue ne m'a pas menti. Parce que c'est la rue qui gagne, c'est la rue qui gagne, c'est la rue qui gagne. Et dedans on n'a pas choisi. Tu travailles tous les jours, tous les matins, toutes les nuits, sur le soleil, sous la pluie. Ok, ça va changer. Parce que c'est la rue qui gagne, c'est la rue qui gagne, c'est la rue qui gagne. Et voilà, on ne va pas seulement regarder le clip, tu vois, Petit Beaux-Arts. On va danser le Ndolé ici, tout à l'heure, avec toi. Hein? Je voudrais que tu adresses un message de paix, puisque tu parles de l'unité, à tous les acteurs du Ndolé du Cameroun et du monde. Parce que je sais qu'il y a une ambition forte qui se cache derrière le Ndolé. Un message, pas le message genre moi. Tu formules ça? Ça peut se faire avec le bruit des mains. Of course. Ndolé, au départ, c'est d'abord les mains. Ndolé qui n'a pas le répondant. Ok, d'accord. Tout le monde tapait les mains. Tout le monde tapait les mains. Bienvenue, mesdames et messieurs, je vous passe le bonsoir. Vous êtes en direct de l'acteur Wako, capitaine de la rue, comme invité spécial ce soir. Bonsoir à tout le monde sur le plateau ici. Vous connaissez le garçon, je m'appelle Petit Beaux-Arts. Je suis l'artiste des boys, toujours dans mon rêve.
Je suis toujours imité, mais jamais égalé. Je suis toujours combattu, mais jamais abattu. Petit message pour tous mes gars, les gars du Mboléo. Capitaine de la rue, concevez bien ce message. On a commencé ce rythme, on dépassait dans les veillées. Aujourd'hui, grâce à Dieu, on dit que c'est déjà le monde entier. Pour remonter le mouvement, les gars, pour évoluer. On doit se tous tenir, on doit faire les futurings ensemble. Et puis lever le niveau, le mollet va monter. Et puis on sait jamais que autant on peut aussi se graver. C'est comme il a dit tout à l'heure, le mollet c'est l'unité. Capitaine de la rue, le capitaine du bateau. Les gars restant soudés, le niveau sera levé. En tout cas, vous connaissez le refrain, on va le chanter. En tout cas, le mboléo, ça a déjà commencé. Le mboléo a déjà commencé. Allez, on va danser là. Le mboléo, ça a déjà commencé. Le mboléo a déjà commencé. Le mboléo, le mboléo, ça a déjà commencé. Le mboléo, ça a déjà commencé. Le mboléo, ça a déjà commencé. Le mboléo, ça a déjà commencé.